Qui aurait parié sur cette finale qui oppose les Allemands d'Urspring Academy aux Tchèques d'Ostrava? Bien peu de monde, sauf peut-être chez les organisateurs. Nos pronostics s'avèrent à peu près exacts, mais on a eu un beau tournoi très homogène, même si c'est vrai la finale a été un peu dominée par Urspring, mais probablement liée à la fatigue d'Ostrava. Un beau tournoi quand même, on est très content. En tout cas, lundi soir, comme à chaque édition à l'heure de la finale, le tournoi de basket fait le plein dans les tribunes. Et difficile de dire qui peut l'emporter. Il faudra attendre le deuxième quart-temps pour se faire une idée de la tournure du match. Les Allemands vont prendre le large jusqu'à plus de 20 points d'avance sur des Tchèques bien fatigués. C'était moins présent aujourd'hui. Il y avait la fatigue de tout le tournoi. Donc finalement, l'Allemagne a réussi de gagner cette première place. 68-51, score final dans ce match à sens unique, au grand regret de la première supportrice d'Ostrava. Finalement, c'était leur force de l'équipe Allemagne. Ils ont eu 10 joueurs de même niveau, donc c'était plus facile de gérer aussi le tournoi. Quant aux jeunes Allemands, ils inscrivent leur nom au palmarès de ce tournoi qui a connu les forfaits de deux équipes en dernière minute. Pour autant, pas question de minimiser leur performance. Ils sont très bien, mais ils ont plein de petits joueurs qui sont très bons. Mais nous on est mieux parce qu'on a plus de taille en bas dans la zone. Et oui, c'est pour ça qu'on a gagné. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'Hermine de Nantes. La sélection vendéenne termine quant à elle à la septième place.